Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les défis. Si jamais il y en a un que vous n'arrivez pas à faire, vous le cherchez sur ma chaîne ou vous marquez dans la barre de recherche YouTube Ensu plus loin le nom du défi. Marquez bien le nom du défi en entier parce que moi, c'est le titre que je mets en vidéo. Et donc, c'est parti, on va lancer pour pas perdre de temps. On n'oublie pas évidemment le code créateur Ensu dans la boutique Fortnite pour me soutenir. Ça me ferait très 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 plaisir parce que je suis un petit YouTuber. Et donc voilà, ça évite de soutenir des gros youtubeurs qui sont méga connus de ouf. Donc c'est parti, le petit code créateur qui fait plaisir. Et donc on va lancer la partie tout de suite. Et vous allez voir ce défi les gars, on l'a déjà fait. Et oui, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix. Mais bon, Fortnite ils aiment bien mettre les mêmes défis 10 fois d'affilée. Et ça on le sait, on le sait. Mais d'habitude quand ils mettent les mêmes défis, ils le mettent en un seul exemplaire. Je vous explique. C'est-à-dire que avant, par exemple, si vous dites, si Fortnite dit faites des kills, ils vont pas dire fais un kill, ensuite un deuxième défi fait un kill, un troisième défi fait un kill. Allez, bah les défis comme ça, les gars, ils disent par exemple faites 5 kills. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et ben là, au lieu de faire directement un défi regroupé, le défi, qu'est-ce que c'est? C'est activer un renfort. Mais juste un seul. Et quand tu l'as fini, hop, il te redit, réactive encore un renfort. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu que Fortnite font un défi regroupé, ils font le même défi 10 000 fois. Et c'est chiant. Mais c'est pas grave, ça me fait une vidéo gratuite. Et puis vous, ça prouve que c'est pas un bug. Parce que peut-être que vous allez vous dire, c'est normal que j'ai deux fois le même défi. C'est un bug ou pas? Et non, ce n'est pas un bug. Donc c'est parti. Pour le défi, évidemment, je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça que j'ai des petits skins bizarres. Donc voilà, parce que sur mon compte principal, j'ai déjà fait les défis, donc c'est dommage. Parce que quand tu fais un défi, il disparaît. Je vous rappelle qu'au chapitre 1, quand tu faisais ton défi, ben il était encore là, même si tu l'avais déjà fait. Il était affiché en vert, il avait marqué vous avez fini ce défi, mais bon, c'est pas grave. Et au moins, comme je l'ai déjà fait les défis, je connais les astuces. Donc c'est très cool. Deuxième question, pourquoi il n'y a pas de montage? Très simple comme réponse. Et bien comme ça, vous pouvez voir que les défis sont pas durs à faire et pas longs. Parce que si jamais je vous fais du montage, vous allez vous dire, putain, le défi, ça se trouve, il dure 1 heure. Et non, il n'y a pas de montage. Donc si vous regardez le timer de la vidéo et que vous voyez 4 minutes, ça veut dire que le défi m'a pris 4 minutes. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, vous allez vous rendre dans les paramètres. Hop, vous allez aller dans contrôle du clavier. Si vous êtes sur manette, c'est pareil. Et vous allez descendre jusqu'en bas. Et au-dessus de créatif, il y a beaucoup de choses. Au-dessus de créatif, il y a entrée de renfort, ouvrir le choix de renfort. Et vous allez changer la touche. Parce que la touche qu'il y a de base, c'est la touche numéro 7. Sauf que la touche numéro 7, c'est un 7 anglais. C'est pas le 7 qu'il y a sur votre clavier, c'est le 7 anglais. Et pour avoir un 7 anglais, il faut que votre clavier soit anglais. Donc il faut faire Windows espace. Mais ça sert à rien, les gars. Commencez pas à mettre votre clavier en anglais, juste changez la touche. Mais vous pouvez pas changer la touche dans le lobby Fortnite. Vous êtes obligé d'être dans une game. Ça c'est dommage, mais c'est un petit bug, c'est pas grave. Et donc, c'est parti pour le défi. Il devrait bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, c'est pour ça que je campe. Parce que si vous allez au milieu de la map, vous allez vous faire tuer. Et c'est pas une bonne chose. Parce que si vous vous êtes tué, c'est dommage. Oh non, j'ai découvert un peu la map. Je voulais avoir la map la plus, la jamais découverte. Ça aurait été rigolo. Imaginez une map qu'il n'y ait jamais découverte. Et donc le défi, vous le voyez, qui est en droite, au-dessus de mon inventaire, ça commence à arriver. Donc on va directement... Voilà, vous voyez, le défi est arrivé, et ça n'a pas validé le défi, parce qu'il faut appuyer dessus. On appuie, et on choisit n'importe lequel. Je vais choisir celui-là. Et vous voyez que ça me l'a validé. Du coup, waouh, j'ai bégayé. Du coup, dès que c'est validé, hop, on quitte. On quitte tout de suite la partie. Et on va vérifier évidemment que ça a marché. Hop. Et on voit, ça a marché. Maintenant, on est à l'étape 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez évidemment au code créateur NCO, les gars. C'est gratuit, ça me soutient, ça me fait très plaisir. Le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires. Et puis allez, ciao!